Salut les copains, aujourd'hui une petite session perche. C'est un super temps, il y a de l'orage, il y a des averses, il y a du soleil. Je pense que c'est vraiment optimal pour pêcher en ultralight. Donc là en l'occurrence je suis avec la dame perche spéciale en 1,6 g avec un petit leurre en 2 pouces, le Rock Vibe de chez Rens. Et on va voir ce que ça va donner, premier lancé là. Mais je pense qu'il risque d'être bien actif vu qu'il y a eu toute la nuit des orages. Ça les a peut-être réveillés un peu. Et en plus, en ultralight en général, c'est impossible de faire capot, hein, à part en hiver. Donc on verra bien ce que ça va donner. Poisson. Une petite perche. Donc en fait j'ai fait un petit spot juste sur le côté droit, il n'y avait rien. Et puis là, premier lancé, tout de suite une touche et direct poisson. Donc là normalement on a localisé le petit banc. Donc voilà la petite perchette. Bon c'est petit hein, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Regardez bien la perche. Tu la vois? Vas-y, viens. Là, je vais la remettre à l'eau tout de suite. Ouais, vas-y, touche-la. Elle est trop belle, hein? Ouais, c'est vrai. Allez, on va la remettre à l'eau. Nickel. Anti-capot. Ultra light avec des petits leurres 2 pouces, c'est le top. Poisson les amis, c'est encore une petite perche, c'est plus ou moins la même taille qu'avant, hein. Un tout petit peu plus grande, ouais nerveuse celle-ci. Regardez ça, c'est un truc de fou, mais en ultralight c'est impossible de faire capot. Voilà, elle est repartie. Ça reste très petit. Hein. Donc là, les petites perchettes. Hein. C'est ça que j'adore dans cette pêche, hein. C'est que vous vous ennuyez pas du tout en fait. Vous n'allez pas faire du gros poisson, par contre, vous allez les enchaîner quand même quoi. Sur une pêche de 2 heures, vous êtes sûr que c'est impossible de faire capot quoi. C'est que des petites perches. Même sur le leurre en 5. Ah, ça allait peut-être mieux. Même sur les leurres en 5 cm, hein, ça a du mal à prendre. Hein. Tellement ils sont petites. Ah, celle-là est légèrement plus belle. Ah ouais, celle-là elle est pas mal déjà. Ça, c'est déjà une perche qui est beaucoup plus belle, hein. Après ça reste toujours encore assez petit, hein. Mais vous voyez qu'on peut faire de très très belles pêches en ultralight avec des tout petits leurres. Allez, c'est parti, on continue. Encore une petite perche les amis. Celle-là me l'a pris juste au moment où je voulais sortir. Je voulais juste sortir mon leurre et la taper dessus. Bon, elle est vraiment rikiki. Hein. Et hop, là, elle repart à l'eau. Poisson.
Celle-ci, elle est vraiment petite, hein. Regardez-moi ça comme elle est petite. Mais bon, ça fait poisson quand même, hein. Faut juste espérer tomber sur des belles perches de 30-35 cm, ça serait vraiment l'idéal. Après, ça, c'est pas gagné, hein. Allez, on la remet à l'eau. Oh là là, ça devient toujours plus petit ou quoi? Regardez-moi ça comme c'est petit. Bon les amis, cette session touche à sa fin, hein. Le vent il commence à se lever, ça devient vraiment orageux, donc c'est préférable d'arrêter là que de se risquer à se prendre la foudre dans la canne. Donc les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et comme vous avez pu voir, hein, en ultralight ça fonctionne super bien, hein. C'est très très rare les capots. Donc le leurre que j'aurais utilisé sur toute la session, c'est le Rock Vibe en 2 pouces de chez Renz. A plus les amis, ciao ciao.